messieurs, dames, c'est la deuxième année consécutive que nous venons avec des cornemuses. Pour les gens qui ne sauraient pas pourquoi on vient avec des cornemuses à Jeanne d'Arc, je préciserai qu'historiquement, une bonne partie de l'armée de Jeanne d'Arc était composée d'Écossais. D'ailleurs, le président Kennedy, américain, avait son ancêtre dans les armées de Jeanne d'Arc. Les amis de Jeanne d'Arc ont mis toute la documentation historique nécessaire sur leur site. Les Écossais sont parmi nous depuis de nombreuses années, depuis plusieurs siècles, depuis ce fameux pacte de l'Aulne d'Alliance qui liait l'Écosse à la France. L'Écosse à la France, il n'y avait pas de principe de nationalité entre les deux pays. Qui était Écossais pouvait être Français, qui était Français pouvait être Écossais. C'est pour dire que pour moi il est important, comme pour le groupe d'Action Royaliste, d'avoir des cornemuses avec nous pour symboliser cet accord et cette alliance. Cette alliance historique qui, j'espère, continuera dans le temps. Pourquoi nous honorons Jeanne d'Arc? Parce que Jeanne d'Arc est le symbole de l'unité française. Jeanne d'Arc est arrivée au moment où la France était dans une désagrégation totale. Il ne restait plus rien. Un tout petit royaume avec un prince qui doutait de son pouvoir, avec un pays qui était divisé, avec une occupation anglaise et une occupation bourguignonne, enfin, des alliés bourguignons qui étaient contre la couronne. C'est le symbole de Jeanne d'Arc, c'est pour nous expliquer à tous qu'il n'y a jamais de désespoir à avoir en politique. Qu'à un moment donné, la France, il y a toujours un relèvement, que ce soit avec Jeanne d'Arc ou que ce soit avec Du Guesclin. Elle nous a montré le chemin. Le chemin symbolisé par deux actes. D'abord, Dieu premier servi. Et je crois qu'aujourd'hui, Dieu premier servi, c'est un symbole très important à remettre en avant. Je n'ai pas besoin de rentrer dans les explications là-dessus. Et le deuxième symbole, c'est dans le doute politique, elle a su où était la voie de l'unité française, la voie qui permettait de sortir la France de la situation où elle était, c'est-à-dire le prince. Le prince qui ne représente pas la gauche, qui ne représente pas la droite, mais qui représente l'unité des Français. L'unité des Français qui nous manque depuis plus de deux siècles. Je n'ai pas besoin de vous expliquer pourquoi. Donc ce symbole d'unité, pour nous, est très important. Notamment aussi pour une chose qui est inscrite sur notre gerbe de fleurs, souvenir des Camelots du Roi. Pourquoi? Parce que si aujourd'hui nous avons tous la chance d'être ici pour honorer Jeanne d'Arc, c'est grâce à toute cette jeunesse française qui, avant la Première Guerre mondiale, qui allait être sacrifiée par un pouvoir plus intéressé par les élections que par la défense militaire de son pays. Les Camelots du Roi, toute cette jeunesse qui nous manque aujourd'hui, qui est morte pendant la guerre de 14, les Camelots du Roi ont donné leur vie en 14, et ils ont donné aussi leur liberté pour qu'on puisse aujourd'hui honorer Jeanne d'Arc. Ça a coûté aux Camelots du Roi 10 000 jours de prison pour pouvoir honorer aujourd'hui Jeanne d'Arc. C'est tout ce que j'avais à vous dire. C'est une grande journée pour nous tous Français. Voilà, messieurs, dames.